Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau nail art et aujourd'hui on va faire un petit pingouin tout mignon sur sa banquise. Alors je précise que c'est un nail art que je n'ai pas vraiment inventé, j'ai vu ça en me baladant sur Pinterest je crois, et j'ai trouvé ça adorable et j'ai eu envie de l'adapter à ma sauce. Alors je commence par appliquer sur mes ongles Midnight Meteor de Picture Polish qui est absolument merveilleux. C'est un vernis bleu nuit avec plein de petites paillettes de différentes couleurs. C'est vraiment hyper joli et ça s'applique comme dans un rêve. En deux couches, c'est opaque et c'est hyper joli. Et en accent nail, je vais mettre du noir. Puis je vais prendre mon vernis blanc et vous allez voir, c'est très très simple puisqu'à même le pinceau, je vais commencer à tracer des formes comme pour une French, mais vraiment absolument pas précis. Donc voilà, je fais comme ça. Je mets une couche tout d'abord, j'attends que ça sèche, puis je vais mettre la deuxième. Et pendant que ça sèche, je vais faire le petit bidon de mon pingouin. Donc toujours à même le pinceau, à main levée. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Puis je fais la deuxième couche de ma banquise. Et une nouvelle fois, je repasse le ventre du pingouin. Ensuite, avec un gros dotting tool, je vais faire des points pour faire de la neige et je vais faire des points de différentes tailles, donc en appuyant fort, peu fort, voilà. Vous voyez, c'est très très facile. Et au passage, je vais faire les yeux du pingouin. Puis je vais prendre un vernis orange, donc toujours mon vernis orange de Kiko, et un pinceau fin, et je vais faire le bec et les petites pattes de notre pingouin. D'ailleurs, ce pingouin, c'est rigolo, il me fait penser à... Je ne sais pas si vous connaissez Wallace et Gromit, l'épisode Un mauvais pantalon, j'adorais ça quand j'étais gamine, et ça me fait penser à ça, je trouve qu'il a un peu la même tête. Sauf que le pingouin de Wallace et Gromit, c'était un peu un psychopathe quand même. Et pendant ce temps-là, avec un dotting tool et du vernis noir, j'ai fait les yeux du pingouin. Et enfin, le top coat. Donc vous voyez, c'est un nail art qui est hyper simple, très facile et très rapide. On en est déjà au top coat, c'est merveilleux. Donc comme d'habitude, je prends une grosse goutte et j'étale mon top coat du bout du pinceau. Et voilà, j'espère que ce nail art très simple vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.